On est parti pour notre cinquième jour et notre sixième jour en même temps parce qu'en fait on va faire la nuit là forcément. Vu l'heure qu'il est et quoi? Et quoi? Ben, il se passe plein de trucs comme toujours dans nos aventures. On est passé archer, on a vu les elfes. Je suis enfin revenue au début de la zone dans laquelle j'ai récupéré quelques insignes de quête. Je me suis arrêtée ici effectivement parce que l'objectif était de faire ce morceau de carte. Et donc ça, ce sera notre première étape, faire ce morceau de carte en entier. À la suite de quoi? On dira merci Willander. Merci beaucoup pour ton sub. T'es 4 ans de sub. Merci beaucoup. Salut Sam. À la suite de quoi, on ira ici. Il nous manque un petit bout. À la suite de quoi? Tout ça, c'est si il n'y a pas une quête à la noix qui arrive et ils sont pas à la noix d'ailleurs. Mais... On fera ce morceau-là. On retournera à la ville. Ah, mais il y a un morceau là aussi. On fera ce morceau-là alors. Ce morceau-là. Non, ce morceau-là et on retourne à la ville. Et ensuite, on fait comme ça. Attendez, je regarde la map là. Ouais, jusque-là. Ok, voilà. Voilà le plan. On est parti, du coup on va en 1, 2, 1, 3, 2. C'est tout à fait dans l'ordre. Quoi? Des bruits. Il y a des bruits. Mais je crois que c'est bon. Voilà. Oui, alors. Il y a un dragon, hein? Il est quel non, bah je pense que. Ouais, non. Non, les gars, on s'en va. Je pense qu'on s'en va. Venez, venez. Je pense que c'est pas une bonne idée. Hein? Là, comme ça, d'emblée. Comment on sait quand c'est des quêtes principales ou secondaires? Bah j'écoute l'histoire. Donc, j'écoute ce qu'il raconte. En l'occurrence, attends, est-ce qu'il y a un truc qui l'indique quand même? Non, hein, du coup. En l'occurrence, ma quête principale, c'est celle-ci. Le siège de l'Archimonarque, celle-ci, c'est une secondaire. La Vergence 6 Dragon. Du coup, voilà. Non, bah non, en fait. Leave me alone, Lenny. Bon vieux, là, le dragon, là. Qui, en plus, me parle, hein. Vous avez vu? Bah, en fait, il est chiant de nous regarder comme ça. Au secours. Au secours. Donc, on arrive à s'en aller, hein. Écrit quelque chose ou pas? Le texte, le texte! Cette structure as-tu là? Cela vaudrait peut-être la peine d'examiner de plus près. Taïo! Taïo! Ah! C'est bon, on s'en va! Cassez-vous! Oui! Est-ce qu'il y a du loot? Du loot! Du loot! On est là pour le loot! Il n'y a pas de loot? Il y a du loot. Bonjour. Alors, écoute. C'est faux. C'est faux. Cassez-vous. Ah. Non, mais ça va bien se passer. Oh, un autre coffre. On s'en va. Salut Frozen. Tout va bien. Un dragon, non? Où ça, un dragon?
say it. We trounced our foe well and true. Creature's corpse will serve us. Oh, mais il y a encore un truc en bas. Ah bah oui, regardez là. Forcément qu'il y a encore un truc en bas. Bébête. Ok. On va mettre le point 1 ici. Voilà. Well, salut Shiban. You cut quite the hunter's figure. N'empêche que j'ai pu un peu loot l'autre. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Since letting the enemy gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. That was impeccably timed, Arisen. Effectivement, c'était top. C'était top. There are useful ingredients to be gathered here. On n'est pas ici, on n'est pas potes. On n'est pas potes. Attends, faut que je me fasse le. C'est important. Tout va bien. On n'était pas potes. Semblerait. Allez, ouvre. J'ai vu quelqu'un qui a posté sur Twitter qu'il avait fini le jeu. Il était level genre 42 ou 45. Et je me suis dit, waouh. Genre, on n'a pas la même approche du jeu. Il y a pas de mal, hein. Mais. Moi, quand je serais 42 ou 45, j'aurais peut-être fait une autre mission principale, quoi. Nous deux. Is your pack not overburdensome? You carry so much. Ouais, parce qu'il y a un truc là qu'on n'a pas fait du coup. Une pierre qui est au-dessus. Oh wow. Ok. Qu'on fasse gaffe aux insignes de quête. J'ai bien un signe de quête là. Paf. Non. C'est la violence. Salut, Grand. Comment on va? Oh, regardez ce pont. Trop stylé. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Oh, et là. Est-ce que c'est des méchants? Vous êtes méchants? Ah. You keep your life and I take the rest. Mon coup de cœur, c'est trop bien. Ah, d'accord. Ça va être dur de le de switch. Tellement il est cool. Oh pardon. Tiens. Bah en vrai. Après comme j'ai dit, hein, toutes les classes sont cool, donc oui l'archemage va être cool. Le guerrier mage. This spell will empower you with elemental magic. Mais j'avoue que l'archer c'est très fort. Non, les flèches illimitées, c'est les flèches avec un type qui sont limitées. D'ailleurs, est-ce qu'on en a? J'ai rien testé. Ouais, j'en ai là. Comment on change de flèche?
Je sais pas du tout prendre une flèche spécifique. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. C'est seulement sur une compétence si j'ai bien compris. Bah parce que je l'avais la compétence. T'es sûr? Je suis pas sûr. Hein. J'avais les compétences flèche huileuse, flèche machin truc. Tu crois que ça va chercher la bonne? I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Changer compétence, tir finesse, petite flèche. Alors tu as tir huileux. Ah oui, ça fonctionne. C'est ça, faut juste avoir la compétence. Salut. Merde, il va faire nuit. Mais on n'avait pas campé. Shall we see if we can't make our way over to it? C'est très embêtant qu'il fasse nuit. Oh, les coups de pression là. Ça m'a fait super peur. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Bon, c'est en face, ok. On va essayer de se trouver un campement. Ah, bah, voilà. Je pense que ça se tente. Allez. On espère. Du coup, ouais, en fait, faut la compétence. Et la classe conseillée pour un joueur débutant. Franchement, tout ce que tu veux. C'est... Il n'y a pas de classe conseillée parce que c'est pas un choix de classe définitif. L'idéal pour jouer à ce jeu, à mon sens, c'est justement d'en faire plusieurs. Plutôt que d'en faire qu'une. Au moins que tu rushes le jeu, mais... Après, peut-être... Le mage met du temps à faire ses incantations, donc je te orienterai pas vers le mage. Je dirais dans les choix de départ, ce serait plus archer ou guerrier. Pareil, voilà. Mais ultimately, de toute façon, tu peux changer, genre même si tu fais 3 pas avec et ça te plaît pas, tu pourras changer très rapidement. Donc y a pas de souci. Good to see you. There's all I'd ask of you. J'ai une affaire à régler qui m'oblige à me déplacer. Mais je sens que si je pars seule, j'aurai certainement de finir dans l'estomac d'un de ces monstres qui rôdent dans les routes. Accepteriez-vous de m'escorter? Thank you. Mais son objectif, c'est là. C'est pas loin. Après, je peux continuer de faire ma vie, de toute façon. I shan't allow any further harm to come. Toi, tu me fais des coucou. Juste 25 km. Ah, t'as pourquoi c'est pas le dragon. Some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half. Things we've enemies in our midst. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ok, ils se débrouillent bien. Hein. Ok, ils disaient que vous avez très bien en archer. Escorte ou pas, on va faire notre explos, je te le dis. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. Tis nearby. Shall I lead the way? Ouais, ouais, on connaît les nearby qui sont pas très nearby. On connaît ça. Ouais, quand on voit la vie des dragons, clairement. Moi, j'ai pas encore essayé réellement de me taper au dragon, mais. Je pars du principe qu'il a beaucoup trop de barres de vie.
pour que je m'en préoccupe pour l'instant. Mais pourquoi il y a un chemin qui est indiqué là? C'est le chemin là-haut. Huc. On l'a mal clean. Sur la map, je parle. C'est très gentil, c'est ok. J'ai été torche pour de vrai là. J'aurais pas mieux dit. J'ai effectivement été torche, toi. Oh, comment ils l'ont. Il a été viré dans l'eau, du coup. On a toujours le gars avec nous pour l'escarpe, ouais. Ça. Oh, le good. Non, ça l'a one shot. Petite tête là. La petite tête. Vraiment, ça me trigger, hein. Il y a un morceau de map que j'ai pas bien clean. Ils étaient en train d'attaquer mon gars que j'escorte. Oh. C'est pas. Ouais, de toute façon, on y reviendra forcément, donc. Ah, ce petit bout de map. Retirer. Et ben on va prendre ce chemin là. On prend à droite au chemin et ensuite comme ça on part par là. Mais du coup il va falloir attendre. Bon. À la blitz du tuto sur Actuellement j'ai pas de tuto prévu. Donc comme ça tu sais. Ah. Ça veut dire que si c'est quelque chose que j'ai pas fait en tuto, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai pas vu. Attends, mon bot est pas réactivé, merci. Pief. Pief. Hop. Après, vous jouez trop, les gens. Naze. Comme, c'est... Vous jouez beaucoup trop, hein. J'ai un peu moins de 30 heures de jeu, vous êtes à 60 heures en 2 jours, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Calmez-vous. The ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Celui-là, oh, je pense pas que je l'atteins. 26 heures seulement. Ah, ça va alors. Équivalent. Parce que je vais passer des level 50 et tout. Mais j'ai fini mon ménage avant le live. On peut pas tout avoir. Et j'ai commencé le problème à 3 corps. C'est des choix. Enfin, pas trop le choix quoi, mais. Moi aussi j'explore beaucoup, hein, t'as vu. Je sais pas c'est quoi au-dessus de moi, mais ça m'inquiète. Ouais, c'est ce que j'aime en vrai, explorer. Donc, tant qu'à faire. Ah, oh, j'ai plus de. Du minerai, du coup. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de sous, on avait dit aussi. Je rigole, hein, pour les temps de jeu. Vous connaissez, j'en mets aussi beaucoup, hein. Je rigole, bien entendu.
Ok, quelque chose à la cascade. It might be of use. Oh là, il y a encore un. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. We are under attack. Ah bah lui, on pourra pas le looter, hein. C'est non. J'ai encore couché à 4 heures. Si vous saviez ce que j'ai eu à faire cette nuit, ceux qui étaient là cette nuit le savent. En gros, cette nuit, je voulais absolument finir l'événement de Destiny. Justement pour pouvoir jouer tranquillement à Dragon's Dogma sans me dire que j'ai pas fini l'événement de Destiny. L'événement qui termine là, demain. Et bah en vrai, il me restait beaucoup à faire. Il me restait beaucoup à faire. J'ai streamé jusqu'à... quelle heure du matin, peut-être 5h du mat. Et ensuite je me suis dit, soit je dois refaire un live de Destiny demain, soit je me bouge le cul. Et du coup, j'ai continué en off, j'en pouvais plus. Surtout que, du coup j'ai fait des activités en matchmaking. Et c'est un peu, bah forcément un matchmaking c'est qui tout double hein. Il y a des gens qui sont pas doués quand même. Ils avancent lentement en fait. Mais très lentement, mais sans forcément être très efficace. Et toi t'es là, t'as pas dormi et tout, tu veux juste finir. Hein ? Il est encore là ? Ouais. Ok, ouais non on se casse. Parce que là on va pas pouvoir sauver Denis sinon. Le griffon plus tard. Bah déjà j'ai envie de le faire mais pas avec la mission d'escorte. Mais j'ai réussi, j'ai eu mon titre sur Destiny. Je suis satisfaite. Ça me fait perdre du temps de farm de Dragon's Dogma. Pas du farm d'ailleurs. En vrai, le farm pour moi c'est quand tu fais un truc en boucle. Genre là on explore en fait. Et dans l'exploration on level up. Oh, Cave, mais t'es insane hein. Pas si t'en as conscience hein. Je vais te laisser guérir, hein. Vraiment. Impressionnant. Il met de ses droites. Comment il court à une vitesse normale, ce mec qu'on doit accompagner, hein. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qui, quoi, où, quand? Une pierre. C'est des seins. Oh l'archer, ouah l'archer. Je t'ai sauvé, mec. On sait qu'il y a des gens là-dedans. Nice, en 5. Nice armor you've got. It'd look better on you. Heureusement qu'on l'a escorté l'autre, hein, parce que là. Il aurait été dans le train. Where to next, Arisen? I'm not sure I have any idea.
Dites-vous pour la gestion du temps là, à la base j'étais censée ne pas être là pendant 3 jours ce week-end. Week-end prochain. Je me suis arrangée pour que ce soit moins long. Parce que... J'étais en mode non. 3 jours sans Dragon's Dogma alors qu'il vient de sortir. Non. Guerrier, du coup mon premier. En fait je vais tous les faire donc. J'avoue j'indique que celle en cours. Got a good feeling about this one. Encore un gars à tuer, là. Be thy friend? Clearly not. You need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. J'arrive pas à prendre la potion. On en est là. You're soaked. Do try not to catch cold. Marie. C'est toujours difficile le switch. Après, en vrai, tu sais, comme tu sais que les classes vont être bien. Moi, là, j'adore mon guerrier, j'adore l'archer, mais je sais que ça vaut. Et puis, ça varie quand même. C'est quand même bien sympa de varier son gameplay. Quand même. Bon, allons à l'endroit où l'autre, si vous voulez qu'on aille. Oh, on peut traverser là, non? Ouais, je pense. Hein. Vas-y, viens, on va gagner du temps. Attends, parce que l'autre chemin, je l'ai déjà fait en plus. Ouais. Yop, vas-y, Dra. Ah bah, l'archer, il a step up, hein, clairement, par rapport au 1. Parce que la visée était bien galère. Là... Il est très fort. faut le vouloir pour rater, quoi. On va dire. Oui, ça se cassait, ça. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found? Ah oui, je suis en lourd, c'est pour ça. Je me demandais si... Je crois que j'étais quand même vachement... Alors, Amas, c'est bon. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Dommage qu'il nage pas. Hein. Mais du coup, on doit passer à côté du griffon. C'est notre route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout droit, très vite. Non, c'est que j'avais pris un... Tu vois cet item-là? C'est un item qui pèse très lourd. De base, il pèse 7 kg, donc tout de suite, ça fait une... Sachant que je suis déjà en... Genre mon perso était déjà chargé d'exploration. Je suis pas en début d'explo quoi. Donc forcément en lui mettant un truc si lourd. Then follow me. It isn't far. N'est-ce pas, vas-y, là.
crois qu'il est plus là, le griffon. I heard a rumor that this land was once a kingdom of Beastrons. Truly? Quite, though no definitive records remain. C'était long l'escorte, hein? Ceci étant, je préfère une escorte comme ça que l'escorte sur les tableaux de quête comme, comme il y avait dans le 1. En cas d'attaque de monstres, nous ordonnons à tous les soutiens de fuir vers toi. Ah merde, on l'a déposé l'autre. Attendez. Il s'est arrêté à 3 mètres de là. Reviens! These writings could be of import. Let's have a look then. When does my watch heading home? I've clean forgotten. Appreciate it. Enfin arrivé, bien content que ce voyage soit terminé. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Comme rien ne vaut une main experte pour un travail. Comme quoi rien ne vaut une main experte pour un travail de qualité. A token of my appreciation. 1200 balles. C'est fait. Bon. Le problème, c'est qu'il nous a éloigné d'où on était. Alors, on va repartir par là. Ok. Oh, c'est sympa le foulard de rôdeur. Oh, ça donne un petit flow là. Pour le coup, j'aime bien. Non, c'est parce que j'ai mis deuxième classe. Je me suis demandé si les gens laissent demander si j'avais déjà fini le jeu, du coup. Il semblerait, du coup. Attends, il était où le chest? The chest, et puis le chest il a disparu. It's the furtive chest. Ça se passe comment pour changer de classe? Bah tu changes quand tu veux, tout simplement. Et ensuite, en fait, tes classes, elles ont des rangs auxquels tu débloques certains talents, certaines perks, certaines compétences. Donc là, par exemple, mon archer, il est rang 5. Mon guerrier, il est rang maximal. Et... mon archer bénéficie, là par exemple, j'ai des talents que j'ai du guerrier. En fait. T'es pas sur un choix de classe pur et dur, sur, enfin tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de comment faut faire ou quoi, mais... En théorie... on n'est pas sur un choix de classe en dur. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Il y a un peu de guerrier dans cet archer. It's an item of exceptional rarity. Il a une meilleure défense physique. Et il peut porter plus. C'est pour ça qu'on l'aime bien quand même. Hmm?
Mais ouais, c'est tout le principe en fait. Enfin, après, comme je veux dire, c'est comme vous voulez. Y a pas de comment faut jouer. Comment faut jouer, c'est vous amuser. Ça, oui. Loath as I am to admit it, I haven't the knowledge to guide you on that quest. Perhaps you should hire a pawn who does. Bah c'est pas reroll du coup, tu continues en fait. Ce que t'as débloqué comme talent sur le guerrier, tu pourras l'utiliser sur ton sorcier. Et puis alors le sorcier pour le coup n'a pas d'arme en commun. Mais si t'avais eu une arme en commun, t'aurais pu aussi garder normalement certaines compétences. Et de toute façon, si ça te plaît pas, bah tu re-switch automatiquement. Pas de problème. Il n'y a pas de mauvais trucs. Il y a un nombre de talents, ouais. Et pour avoir prochainement un patch pour faire une nouvelle saga. Pour redémarrer un personnage, ouais. J'ai vu les gens, ils sont à fond sur le... En fait, il y en a plein qui font l'erreur. Celle que j'avais faite sur Dragon's Dogma 1. Quand on recharge, vous savez, de recharger des derniers points de sauvegarde. Mais il y a genre vraiment 1 milliard qui font l'erreur. Pour le coup, c'était expliqué là dans le jeu. Ça l'était pas expliqué aussi explicitement dans le 1. Mais là, c'est expliqué. En gros, si vous lisez, normalement, vous faites pas l'erreur. Mais bon. J'avoue... Ça fait très d'honneur de leçon de dire ça, mais je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux où les gens, ils lisent pas, c'est sûr, ils lisent pas, ils lisent rien. Ils lisent absolument rien. Et vous me direz, ça fait mes affaires vu que je fais des tutos. Mais vraiment, ils lisent zéro. Ils lisent zéro et ensuite ils mettent sur le dos du jeu qu'ils n'ont pas lu. Un peu dur. Mais bon. On pourrait, dans l'autre sens, dire bah, c'est que c'est pas assez bien présenté, peut-être. Pour que le plus grand nombre puisse le percevoir. Peut-être. Peut-être. Mais ouais, c'est assez frappant de voir vraiment beaucoup de choses où les gens lisent pas. Et vous me direz... C'est leur droit. Moi-même, des fois, je rate des trucs. Hein. Ceci étant... Il m'inquiète le l'autre là. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Ah. Où ce chemin mène-t-il? Il y a qu'à ce moment de départ. Boum. Oula, dangereux. Attendez. C'est quoi un chemin? Là-bas? Là-bas il y a un chemin? Have you forgotten something arisen? Non, j'ai rien forgot, je suis en train de regarder. Laisse-moi. Ah oui, c'est ça que je cherchais, voilà. Stone we've not discovered lies nearby. Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Je regarde la review d'un jeu que j'aime bien. Le mec a mis un pouce rouge parce qu'il voulait pas lire les sorts et qu'il y avait pas de tuto pour expliquer sans tout lire. Non, tu peux pas changer de pion principal. Je pense là il y a moyen qu'il y ait une insigne, du moins il y a un truc en tout cas en bas. On va aller voir ça. These vessels would make for a fine repast. Our bellies will last a little longer. C'est fou tout ce qu'on loot à ça, ouais.
Ouais, je pense que ça va être un vrai pion. C'est assez embêtant parce que j'ai déjà mes pions là. Master, I vow to weigh my every word before speaking, and when in doubt, I shall hold my tongue. Ok, par contre, ne tourne pas autour, mais. Elle est un peu originale, non? En vrai. Spécialisation aphone. Elle nous parlera pas. Ça mettra à la place de l'autre soigneur. J'aime bien, elle promet de se taire. En vrai, attendez, je vous montre. Elle a un petit flow. Hein. Avec son visage comme doré. Mais on peut pas parce que c'est le mage qu'on a besoin. Donc ça voudrait dire sinon je la mets à la place de l'autre guerrier. Ça pourrait. Attends. Bâton est stylé. Mmh. Il est vrai. À la place de Clive. Et c'était notre linguiste des bois, c'est dommage. Ces pions-là, je sais pas s'ils seront toujours au même niveau. Mais ils sont toujours un peu plus haut. Ceux-là, ils sont toujours un peu plus haut que ton niveau, Mazidra. Après, normalement, c'est pas comme ça que tu recrutes des pions. Ça, c'est assez rare, en fait. Ouais, je vais la mettre à la place de Claire, je pense. Mais du coup, on a plus linguiste des bois. Faut pas qu'on croise d'elfes. Hein. Ça, en gros, c'est un poisson. C'est une sorte de bonus, quoi. C'est compliqué, j'entends. Ah, c'est une sorte de bonus. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Donc lui c'est bon. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Vous voyez là-bas, là ? Il y a une grotte. On va totalement aller dedans, en plus il va faire nuit. Donc je fais un peu par ici, et ensuite je vais dans la grotte. Sunset draws near. Parce que je sais comment je vais faire. Enfin, j'espère que ça va bien se passer, mais... J'ai une petite idée. Je sais que les pions peuvent nous rattraper, normalement. Donc on va faire une nouvelle expérience. On fait beaucoup d'expériences dernièrement sur les... Sur les pions. C'est quoi ce bruit? Ah. C'est vous? C'est vous? Hop là, au revoir. Ah, mais il y a une grotte ici aussi. Tellement de grottes! Voilà, du coup. Oh! Me suivez pas, hein? Très mauvaise idée. Non. Oh. Isn't it about time we had ourselves a meal? I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Je vais faire un petit côté avant de faire la grotte. Peur de bien fouiller. Hein. Ça, je le soulève et il y a un. Tadam ! Vous voyez ou pas ? You found me ! Be ready! Our foes are armed! Aye. We have no means of exploiting our enemy's weakness! Je sais. Les flèches dans la tête, c'est toujours une weakness.
Et là, il y a un trou. Il y a des trucs de partout. Hein. Moi, je vais pas m'en sortir. Je sais plus où donner de la tête. Ce que je veux, c'est déjà rejoindre le morceau de map que j'avais commencé. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Ouf. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Voilà. Pardon. Je pourrais aussi camper, mais je n'ai pas campé. Voilà. Je bouclerai ce chemin. Quoi qu'il en coûte. Là, il y a des esprits. Ah, ça commence à être une très mauvaise idée. Tout ça commence à être une très mauvaise idée. Campement ici, mais qu'on va pas faire. Ok. C'est violent ça. Ce sort lumière là. Mais pratique. Mais c'est un peu violent. Du coup, il y a quoi si je descends là? Oh, ça les a tués. Oh, bien. Pas tous. En fait, ça leur a fait des dégâts. C'est le bord de l'eau, ça. Ouais. En tout cas, c'est... Pas de gaffe. Bon, la grotte qui est là, ça va voir tout de suite parce qu'on voit plus où est l'entrée. Qui fait nuit. A tad too high, methinks. I've a means of getting over there arisen. Shall I assist? Là, juste là, là. Oui, mais alors on va le faire autrement, mais pas tout de suite. Allons à la grotte numéro 2 qui est plus un parti pris de faire une vraie nuit, c'est cool. Oui, totalement. Tu sais, c'est pour ça que dans Baldur's Gate, quand on dit ah, il fait trop nuit dans ton jeu quand il fait nuit. Mais moi, je l'ai pas changé parce que je trouvais que c'était cohérent. Bah oui, en fait. Genre quand il fait nuit, effectivement, dans un Donjon et Dragon, dans un RPG, c'est censé être un handicap. Réel. Alors, comment j'étais montée? J'étais montée par le petit chemin là-bas, plutôt. Et justement, l'idée, c'est quand même que tu campes assez fréquemment. Quand tu prends le risque de faire de nuit, bon bah... La dernière fois, par exemple, ça nous a récompensé avec le fait que ça a ouvert une zone avec les spectres. Et puis, il y a des endroits où, là, par exemple, je me dis, vas-y, je vais aller dans une grotte, comme ça, bah, de toute façon, il fait toujours nuit dans une grotte, donc c'est pas gênant. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. I'm
never imagined we'd find a cave here, of all places. I'm looking forward to finding out what dwells within. Keep stout of heart and clear of mind. Oh. C'est pas une vraie caverne. Now. Nice. Hop. Je scanne tous, je me dis. Here's a surprise. The thrill of discovery never gets old. Huh. I'll have to remember to tell my own master. Complètement, about this. Je suis d'accord. Aussi vivre des aventures quoi. Il se dit oh mince, il va faire nuit. Oh là là, oh là là. Oh, ces araignées, elles sont toutes petites. C'est un peu overkill. T'es sûr que c'était bien nécessaire ce sort là? Un peu overkill, je pense, mais Ah, la censure. Attendez, je vais cliquer l'overkill. Laisse-moi. Il a une bête. Ah. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ah, il y a un autre insigne. Dans cette zone, il y a deux insignes. Waouh. Bébé. We shall have to crane on next to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. La taille des sensu, ouais, un peu vénère. Un peu. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. I could do this all day. Allez. On campe? Je pense. Not save a shooting star could heighten ouais, the sky's majesty this night. You have my support. Ou alors j'essaie d'aller à la grotte là. Comme je vois rien. C'est un petit peu tendu. Là il y a un autre campement là. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? En vrai... Est-ce qu'on peut retrouver l'endroit? Je pense qu'on y est. Oui? Ça doit être un zombie. There, master, undead. Oui. We have no means of exploiting our enemy's weakness. This spell will empower you with elemental magic. Ok. Faut une monture. Alors. Pas l'air fameux par ici, hein, mais on y va. On n'a pas peur. Ça fait grave peur. Ah, on n'a pas déjà venu ici. Maintenant. Au secours. Où ça? Mais pourquoi t'attaques les cartes, les
Les coffres alors qu'il y a un gars. Misty. Le loot, mais quand même. Bon alors c'est pas le même endroit. C'est la même disposition mais c'est pas le même endroit. Allons-y. C'est quoi, hein? One ill-timed dodge and I'm covered in bruises. Non, le bloc de glace. Allons-y. Oh! Il y en a un qui me pousse. Misty, Misty me saoule. Misty, c'est le prochain qui part. Je vous le dis. Il fait des sorts très violents, par contre. Oh, le son. Ok. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better applied to that. C'est vrai que les squelettes sont chauds. D'accord. C'est un peu vénère. Ça sentait tellement le piège. Pas bien. Je regarde en l'air et tout. C'est toujours nuit, hein. Oui. Ah, mais c'est l'endroit où je voulais aller, c'est cette grotte. Ah bah oui. Du coup, bon. Mais attendez, il doit bien avoir un truc à choper, il y a quelque chose. Pas juste on vient là et... Tu le dis. Plein des esprits. Bon là, on va essayer de trouver moyen de se reposer. Hein. I'm afraid I don't have any knowledge about that quest as yet. If you require guidance, you must hire a pawn who does. Moi, je vois pas. Je vais devoir faire un petit dodo. J'ai tellement de caillasses. Pas par là, hein. Du tout. Long chemin. C'est là. Allez. Hop. Oui. Bon. Attendez deux secondes, je fais un truc. Our master is a changeable sort, making a careful search one moment and charging recklessly into battle in the next. Truer words were never spoken.
Voilà. Let's go. Je maintiens que ça c'est filmé, hein. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ces colonnes là. Il faisait déjà ça dans le 1. Il les ramène plus proche de toi. Pour que tu puisses les sauver. Il pleut. Mais bon, au moins il fait jour. Alors. Cette grotte, ouais, je crois que c'est ça là. Du coup, on va tester. Du coup, fait partir. Bon, on va tester. Cade, pas Cade, hein. Pas un gros gabarit. Cade, oh. It's really coming down. We can push through a bit of rain, surely. Ah. Ça s'est parfaitement bien passé. I am grateful to you, Arisen. This is just what's needed. À la base. Pertinent to this task. Je pensais qu'il allait pouvoir m'attraper, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit mort. Bon. Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Le résultat est là. Nous sommes en bas. C'est déjà une bonne chose. Là, je pourrais balancer un gars, mais bon. This gloom has an eerie cast. Attends, mais ça n'apporte rien. C'était juste le côté d'une grotte que j'ai déjà allé voir. Bon. I'll gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. C'est bien. Methinks we could move this boulder if we work together. Il dit quand il dit methinks. Here we go again. Les pieds sont forts. Hein. Je suis choqué. Hein. Bon, bah allez, on n'a pas peur de cette hauteur. Ça fait pire. The find of the century, I dare. Peut-être rater un trou dans la grotte. This is why I shall never tire of our adventures. Je pense pas. Alors, du coup, la carte. C'est la carte. Tac, tac, tac. Je pense qu'on a bien exploré là, ça. Hop, et je pense... Ah, mais on n'est pas allé là, le long, hein. Important. Et on a aussi là, tout là. À cet endroit. Et là, paf, le dragon. Oh. Let's go.
On a passé à l'habitation, l'occasion peut-être de faire de nouvelles découvertes. Et un insigne. C'est déjà une bonne découverte. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Je viens ici, ça veut dire, hein, si c'est un habité. There's a cave that you haven't explored yet. I've found out about it in another world. Shall I show it to you? On n'est pas allé là-bas. Let's go la bagarre. Vamos. Non. Il est mort? Je crois qu'il est mort. Ouais. Je confirme. La question c'est qu'est-ce qu'il a tué? Faut qu'il arrête de faire ça contre les petites araignées parce que... mon cœur va pas tenir. Je voulais être sûr qu'il était méchant. Je confirme, ils sont méchants. My magics are at your disposal. I cannot fault your prowess. Wow. Pas mal, hein? Il était un milliard dans la grotte. Moi aussi j'ai pris un éboulement. Cool. T'es déjà en 6 ma deuxième classe. Dare I say it? We trounced our foe well and true. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Quelle violence. Vous avez tout le loot? Bouclier de fer. Il est moins bien en fait. Salut, ça sert, chef. Salut, salut. C'était trop ambitieux ce que j'avais à faire hier, Miss Masterchef, sur Destiny. Ça a été horrible. C'était long. C'était long. On pouvait plus. Ah, c'est gentil. Ah, je te jure, la dernière nuit noire, je m'endormais. En plus, fallait que je... genre, en vrai, il y a plusieurs fois où j'ai dû carry la nuit noire sur un peu. Lessening our load will help to keep us light on our feet. Il y en a une, je l'ai faite AFK. Et après, je me suis dit non, faut pas que je fasse ça. Et il y en a plusieurs que j'ai quittées parce qu'on débutait. On commençait la nuit noire et les gars commençaient à clean chaque mob du début de la nuit noire. Qui est un truc où il n'y a pas à clean, je me suis dit là c'est mort. J'en ai 8 à faire, ils ont cru quoi.
Non, tu dois changer régulièrement les ZAD. Enfin, après, t'es pas obligé d'avoir des ZAD d'ailleurs. Tu peux avoir que toi et ton pion principal. Mais si tu les changes pas, ils vont plus être à niveau du tout. Mais ouais, j'en ai fait une AFK, je me suis dit, non, faut pas que je fasse ça. I suppose it is too much to ask that we pass through unmolested. Je sais, je me perdrai pas, j'ai peur de compte là. Everyone has their own reasons for doing battle. Bénitant. Knowing that doesn't make it any easier to join the fray. Have my support. Mais c'était long du coup. D'accord, c'était pas une heure très longue. C'est quand même long. Heureusement que c'était pas un truc comme la corrompue, justement. On va aller au point pas du tout 1, ça sert à rien. Donc au point 3. Comme ça on fait la petite boucle. On va mettre une petite boucle et ensuite on fait ce coin là. Et quand même c'était long à faire ce coin là, finalement. Quand c'est bien exploré tout ça. Pas mal. Tu es arrivé, ouais. Je vais lâcher. Je me suis dit, faut y aller. J'avoue que j'avais pas capté qu'il fallait finir la carte d'événement. Sinon, je me serais pas lancé dans le projet. Hein. Ouais, ça allait juste faire les médailles de platine. Du tout. Ah oui, mais là, en fait, on pouvait traverser. J'avais même pas vu. Oh non, je regrette pas, je suis contente. Franchement, ça fait un truc accompli, c'est trop bien. C'est top. J'aime bien avoir ma page de le titre qui commence à bien se remplir. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. La deuxième page, j'ai quelques trucs que je pourrais faire en plus aussi. Je continue de farm les titres. Pas les trucs insane, hein, mais. Comme je disais en vidéo. Moi là, j'ai pas le temps d'essayer de tryhard du donjon solo où je vais être en galère totale. J'ai testé deux fois. J'ai la vigile Kaëtan. En tryhardant, ça se ferait. Il y a un vrai chelou. Mais sinon, ouais, il y a des trucs qui se... Dans les titres qui me restent à faire, il y en a que... Tu sais, j'avais pas fait, par exemple, tous les œufs d'Ankara. Ça, en vrai, petite session de chill. Chope tous les œufs. Nice. Je sais qu'il y en a dans le raid, mais Mini-Elite les avait pris sans avoir à faire le raid, donc je pense que c'est faisable. Sinon on fait le raid, hein. C'est local. Tu aurais pu avoir une médaille en récompense, hein. My magics are at your disposal. One of us has been poisoned. Ah, il est derrière un peu. Oh là, j'ai plus l'anti-poison, je crois. J'ai un tilt. À mon avis, j'ai plus l'anti-poison. Parce que c'était Kate qui l'avait. C'est ce qu'il a dit. On tue le. Ah,
There's no debilitation a curative cannot mend. Кто? Нормально. Нормально. Oui. Pour l'heure. Par rapport au cercle là autour, c'est ça, de la map. Après, moi, j'aimais bien le faire naturellement. Genre en mode, le soleil, il est haut dans le ciel ou il est pas haut dans le ciel. J'aimais cette méthode. Ah! Non! Du coup, c'est Kate, je pense qu'elle a été empoisonnée. Mais c'est bien, du coup, il est plus empoisonné. Hein. Il nous faudra quand même qu'on en prenne un avec Sanctum, machin truc. Il est dans le caillou, lui, non? Mais Kate, y retourne, donc comment veux-tu qu'on s'en sorte? Arrête un peu. Un moment. Il m'a fait peur, lui, là, à droite. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. This boulder looks mighty heavy. But we might just be able to move it if we combine our efforts. Ok, faut qu'on arrive à se caler bien parce que si nous tombons dessus, on est foutu. We've an opening. Focus your attacks. I shall lead the charge. Il a bien pris là. Compliqué s'il n'y a plus de... Ah, oh, il prend. Ça va être sur le devant. Ouais. Il a plus que sur le poitrail. Il va sauter là. Ok. Moi aussi, ça, ça, ça.
Du coup, on attend. Allez là, montre-nous tes points faibles. Oh, ça y est, il est en mode vénère. Il est terrible quand il est en mode vénère. Il a plus aucun point faible, hein. Ça va le faire, hein. Il en a dans le dos. Ouais, peut-être. L'objet, ils en ont plus que ça. Là, ça devient compliqué du coup. Est-ce qu'il en a dans le dos? Éventuellement. Non, j'en vois pas non plus. Hein. Je pense qu'on va juste lui tirer dessus normal. Non. Il y a forcément un point faible quelque part. Que je vois pas moi et qui est propre quand. Quand ils font les sorts. Vous continuez vos sorts, les gars! C'est peut-être sur le côté droit là. Ah ouais. Il en a encore un au torse en fait. Ok, c'est bien. Il suffit qu'ils prennent des sorts et ça passe. Bien joué. Nickel. Aïe. Of course, the fight would have been lost without you, Arisen. Oh, I just recalled. A campsite I found while beyond the rift isn't far from here. Putain, je peux pas lire le texte, il est dessus. Oh là, relou. Oh là. C'est beaucoup. On enchaîne, hein. Allez, hein. Après, ça craint le feu, donc. Hein. C'est beau. Je vois plus. Il est parti. Bon, l'autre il m'empêche de lire le texte. Il saoule. Tant pis. En vrai, je pense du coup je le déglingue là. Enfin, je le déglingue. En tout cas, avec le feu, je lui mets cher, le phénix. I lack information pertinent to this task. Pourquoi j'ai Phoenix? Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Alors. Du coup, j'hésite si on campe. Mais il est relou. Vas-y, reviens. Hein.
at any rate. Not like a feast to get you ready for bed. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Oh bah ouais, c'était sûr. C'était tellement sûr. On va se déglinguer. On le déglingue. J'ai plus de stam. Make the most of this opportunity. I shall lead the charge. Allez, ciao. On est déglingué. Exact, ça. Moi j'ai utilisé mes flèches huileuses. Mais... T'as fait Runaga en solo? Ou genre t'as essayé? J'ai joué en tout cas. I'm afraid I don't have any knowledge about that. Je sais pas moi. OK, OK. If you require, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien de ouf. J'étais un griffon. Donc je pense que c'est des ennemis. Think they'd have learned from that last lot that we're not to be trifled with. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. Fear not, 'tis well in hand. Plentiful hereabouts. Du coup là on est d'accord, on peut pas passer à gauche. Du tout. Weekend. Pauvre perso. Il porte le poids du monde sur ses épaules. Oh, le griffon. En plus, je savais déjà que le griffon craignait le feu, donc... Forcément. Ok. Hop. Non. Over there. At last. I thought we'd never find one. On n'entrait pas le jeton, hein. L'air de rien.
I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Regarde, c'est l'endroit vers lequel. Non, mais ça, je pense qu'il le voit. L'outil. Je pense qu'il parlait des langues audio, quoi. I'll harvest what I can, should it please you. Un scandale. Non. C'est un tout petit pays, la France, hein. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Là, je crois qu'on va perdre Misty. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Dommage. Let's go, soigneur. C'est ciao Misty, hein. Je donne un raisin, Misty, ça te va bien. I'm only glad. Il y a un pouce vers le haut. Be an honor to serve. Hop là, allez, viens. Viens donc. Ouh, bordel, ça a failli mal finir. Donc le 3 c'est fait. Et nous, on va essayer d'aller ici maintenant. Et on a enfin fini ce petit morceau. Il était immense en fait. L'air de rien. Ah, le chute pas. Follow me, master. I shall guide you to the location. Je pense là-bas, en vrai, on peut y aller. I quite agree. Parle beaucoup scout, hein. On aurait dû prendre un iPhone. Non, mais là, en vrai, il n'y a pas de route, mais il y a... Il y a de l'explo, quoi. Même s'il n'y a pas de route. Dans les terres, là, il y a des... y a des trucs. Il y a forcément un autre biome, puisqu'on le voit dans le trailer. Si on peut se TP en utilisant une ressource du jeu, mais j'ai pas besoin de me TP là. J'ai pas envie de me TP. Surtout. Ouais, regarde le trailer, tu verras, il y a un autre biome. Qui est présenté. Et un Minotaure. C'est une bonne chose que nous restions quand nous l'avons. We must not let down our guard. Let my magic grant you an elemental boon. Du coup, le truc de la flèche huileuse, c'est vraiment pas mal. Hein. Faudrait qu'on en fabrique plus. Parce que là, j'en ai plus. Il est passé devant lui. Ah, est-ce qu'il me fonçait dessus là? Non, ça. Ah, ça. Ça va très bien avec toi, rival. Projeté.
Très bien. Ça, c'est fait. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfident or like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Scoot, il va vite repartir s'il juge ma façon de récolter tout ce qui traîne. Hein. Moi, je vous le dis. Scoot, tu files un mauvais coton. Il y a un coffre qui est là-haut ? Ah ouais ? Ok. Ah, oh, t'es trop... Non, ça va pas assez, ok. Tiens. De là, ouais, ouais. Ça fait tout un trajet pour pas grand-chose, hein, je pense. Mais bon... Je pense qu'en vrai, de là, ça ira. Pray, allow me to open yon chest. Ah. Ah. Du coup, on a un joli chapeau. Vous voulez voir à quoi il ressemble ? Je vous montre. Hop. Chapeau à plumes. Voilà. Je vais bien sûr pas le mettre. Hein. Je ne mets pas de chapeau. Obviously. Moonlander, bah ça j'en parle depuis début du live. Y a plein de petits détails en fait, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de choses du 1, mais il y a aussi des petits détails qui sont modifiés. Tiens d'ailleurs, j'ai pas pris les... Mais oui, 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 en ayant joué très récemment au 1, du coup la semaine dernière, c'est pas le même jeu, hein. Les gens te diront c'est le même jeu parce que du coup ils se basent sur leurs souvenirs du jeu. Et effectivement, ils le rappellent plus que beaucoup. No one can defend themselves when grappled like this. I grant you roaring flame. On retrouve plein de choses, quoi, si on connaît, mais il y a des ajouts. Des modifs, et il est de bien plus grande envergure aussi. Genre vraiment, la map est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de quêtes. Mais après, ouais, il y a plein de choses qu'on retrouve. Des compétences, des fonctionnements, des mécaniques qui étaient bien, en fait, de base, dans Dragon's Dogma. Tant pis. Je repasserai pas d'ailleurs pour les, tout ce qui nécessite les sorts lévitation. Hein. Je pense pas que je repasserai. Ça ferait trop de repasser sur toutes les maps. Encore des plannings moi ? Non, ça fait un bout de temps que je fais plus de planning, sérieux. C'est trop contraignant par rapport au. Let us proceed with due caution. Au fait de tout simplement profiter des jeux et de pas être limité. Et aussi aux opportunités qui en général sont signalées la veille pour le lendemain. Chaque fois que je faisais un planning, il y avait toujours un truc qui se passait où on me disait « Ah, tu peux streamer tel jeu en avance. » Ou tel truc, tel machin.
C'était très frustrant quand j'avais envie de continuer un truc et que du coup j'avais dit dans le planning que j'allais faire autre chose. Donc non, il n'y a plus de planning. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ta face. Rival, il me semble, la dernière fois, tu disais que c'était compliqué niveau séduction. Ne dis pas les phrases comme ça. Mais plus les formes. En même temps, j'ai pas vu ta face. Effectivement. Non, mais au moins, c'est franc. Droite au but. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Ah non, c'était gentil, pardon. Oh! Oh! Regardez, c'est une zone. Elle a un nom. Amical. Ah non, mais je parlais pas de vis-à-vis de moi. Je te parlais par rapport aux autres gens. Moi, ça va, ça me fait juste rire que la formulation est particulièrement... You there. Are you looking to enter the village? Oui. You'd best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? You best go out. There's no business to be had here, that's for sure. Oui, c'était ça. C'était la formulation. What is their intent, I wonder? It is eerie, but we must needs press on. Oh! Un signe de quête. On a trouvé plein là! En vrai. En vrai. Pire, en vrai. Combien j'en ai? 11! Quoi? Pardon? J'ai 11 insignes de quête sur moi! Ouais, on a trouvé quelques-uns, hein. Du coup, ce village, ils ont un problème. C'est quoi leur problème? C'est quoi votre problème? Ok. Déjà, je sens que je suis bienvenue. Quel est votre souci? Si quelqu'un m'explique, je peux peut-être vous aider. What brings you here? Non. En général, tu ne me verras pas répondre à quelqu'un qui dit un truc qui me dérange réellement. Donc tout va bien. Quelle jolie musique. Hop, un petit peu là. Peut-être qu'il y aura une quête hein, ici, à mon avis. Oh, une lettre! C'est quoi cette lettre? Un morceau de laiton. Bon, bah, j'ai une lettre. A common reward, frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Oh, il y a une auberge. Oh. Oh. How might I be of service? Attends, j'arrive.
Fancy a look at my wares? Oh, ils vendent des armes et tout. Ah non, ténacité. Ok. Les flèches. Du coup, j'ai presque envie d'en acheter. Hein? J'en suis presque là. Ouais. Je pourrais vendre des trucs. Je pourrais, vu tout ce que j'ai. Et en même temps, avec les combinaisons, tout ça... Je suis grave, hein. Je suis quand même un peu grave. Oh, plume de griffon. Do come again. Ça, alors, t'es allé en cours, Phoenix? Ça va mieux quand même? Non. Ah, c'était plus raisonnable, hein. Nice seeing you, Pat. You the outsider? On dirait Flora. Come on, follow me. I've something real nice to show you. Je la sens pas trop, la petite, hein. Je vais pas vous mentir. Oh, j'aurais dû dormir dans l'auberge. Mais bon. Oh, ça sent l'arnaque. Yes! J'ai passé une bonne... Enfin, j'ai passé une bonne journée, non? En vrai, si, par... J'ai fait beaucoup de choses dans ma journée, voilà. Administratif, plein de trucs, voilà. Donc oui, par son accomplissement, j'ai dormi à la place d'aller en course. Je pense que c'était une bien meilleure option, Phoenix, tu as bien fait. Où est l'enfant ? Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to have underestimated you. You wonder how I know? For starters, tisn't just me. The entire village recognizes you for what you are, cuz. Not mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. Oui, les pions peuvent ouvrir le coffre. Ça dépend un petit peu des pions. Franchement, tu peux avoir des pions quand j'avais par exemple mes deux champions en franc. C'est-à-dire, franc, ils pensent qu'à l'attaque, ils veulent taper. Franchement, ils ouvraient pas trop les coffres. Après, si t'as un pion par exemple qui à l'inverse est en mode il aime bien récolter, alors lui il va tout le temps aller ouvrir tes coffres. Parce qu'au bout d'un moment t'es en mode ah, bon, ouais, ça va, oui, c'est mes coffres. Don't worry yourself. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. I have a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? If I were to give, I have a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? Je suis en train de faire à quelqu'un d'autre ce que je vous ai fait. No doubt your dad. Ceux qui touchent à mes coffres à une flèche. Un peu. Là, il y a là-haut encore. Alors, je vais aller à l'auberge. Juste sur le côté, là. Vous êtes juste en œil. We've met no foes for some time, but it is all the more reason for us to be on our guard. A brief respite is naught to decry. Salut.
Il va falloir, attendez, je finis mon petit tour. Hein. Il y a quelque chose en bas? Bon, on va aller en bas. En fait, comme il y a une auberge, autant en profiter que le soir de l'auberge, on ira voir le chef après. Ça me semble plus cohérent. Hein. Douzième médaille? Now, moi je dis pas non. What might that be? We ought to take a closer look. Ah, douzième médaille. En vrai, j'ai pris en photo à chaque fois les emplacements de médailles. J'aurais dû prendre la médaille aussi en photo. Trop tard, je suis commit. Ceci étant, les insignes, quand t'as commencé à trouver les premières, tu comprends un petit peu la logique de comment. Ah, mais ils sont forts, hein. Les persos sont aussi forts. Ah. De comment elles sont placées, ces médailles. Difficulté, ça. Ouais, après, c'est... C'est pas en mode tu fonces dans le tas et... Oh, quand même, bon après, hein, quand XP, comme toujours dans RPG, tu deviens bien à l'aise, mais au début, faut faire attention, quoi. Faut pas prendre des affrontements, genre si tu croises un truc avec cette barre de vie, bon, tu te... C'est à tes risques et périls, quoi. Tu vois le délire. Et ouais, non, c'est... Si t'es pas quelqu'un qui fonce dans le tas sans réfléchir, normalement, ça... Ah. De toute façon, si tu meurs, tu fais la première option, donc charger la dernière sauvegarde. Ça te remet juste avant le combat en général. Donc rien de bien compliqué. Ouais, on peut mettre des points de repère. C'est ce que j'ai là, regarde. Tu vois sur ma carte? Les chiffres? Mais c'est un, enfin, c'est, ça reste un RPG dans lequel, justement, il y a ce côté roleplay qui est très marqué et il va falloir que tu prêtes attention, justement, à ce qu'on te dit, à ce qui s'y passe. Je suis rien descendre, mais... Non, j'ai fait un griffon, moi. J'ai déjà fait une chimère aussi. Je descends par l'autre côté. Le dragon, j'ai pas encore... J'attends un petit peu. Raiders detected. Merci beaucoup, Bella. Welcome and enjoy your stay. Bienvenue. Signé la guilde des guerriers. Salut, salut. Comment ça va? Bienvenue, merci beaucoup. On va faire un petit shout-out. Wait. Je m'en mets dans le vrai chemin, là. Je suis en forêt, c'est la forêt de Fontainebleau. Vous reconnaissez? Un peu, hein. J'y joue pas? Sur quoi est-ce que t'étais? Ah, d'ailleurs, tu vas pouvoir m'éclairer sur un truc que t'as tweeté. Que j'ai vu tout à l'heure juste en live. C'est quoi le truc Lorcana? Ah bah voilà, t'étais sur Lorcana. Parce que moi, je joue pas à ce truc-là et tout, mais ça, du coup, je vois via tes posts ce qui se passe et tout. Et c'était quoi le truc où il y avait que 500 places, machin, tout ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, ça se voit, moi j'ai pas tenté le... encore l'autre. Donc pour le 7-4, ils ont monté un event, ok. Et c'est un truc en présentiel, c'est ça?
D'accord, ça aura fait froid en ce moment. Est-ce que c'est l'endroit que je visais, ça? C'est l'endroit que je visais, mais l'autre côté. Ah! Et bien, il nous reste un endroit qu'on n'a pas fait. Hein. Il y a plein de goodies à gagner, c'est un gros tournoi. Ok. Ok. À Lille! The day grows darker with our every step. D'accord, parce que c'est là où j'habite. Ils ont prévu beaucoup trop peu de place. Bah oui, ça me paraît peu, 500. Effectivement. Bah surtout que c'est un truc, enfin... Moi, tu vois, je fais pas ce truc de l'Orcana, là, mais je vois bien qu'il y a une grosse hype autour du jeu. Du jeu de cartes. Du coup, j'imagine bien le souci. Je vois. On est de l'autre côté. Nous sommes de l'autre côté, les gens. Il n'y a rien de plus. Non, si on peut descendre là, c'est bien. Let's go. Ah, c'est, je crois que c'était une maison quand on était en haut. On a l'endroit que je cherchais. Oui, dites. J'espère qu'il y aura un ancien. Et bah, ça marche. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, j'espère qu'ils feront mieux sur les prochains événements parce que c'est pas fameux quoi. Je connais pas, du coup c'est un jeu de cartes à collectionner comme les Magic ou les Yu-Gi-Oh, tout ça. Sauf que c'est dans l'univers de Disney. Mais travailler, tu vois. Oh! Un insigne. Je suis devenue trop forte pour trouver les insignes de quête, c'est insane. Now here's a surprise. Our collection grows. Mais oui, leur collection grosse. De fou. Ça grosse de ouf. Par contre, je sais pas comment je vais remonter. Faut qu'on arrive à aller jusqu'à l'auberge en plus. Bon, en tout cas, bienvenue les gens qui sont venus via le raid. Vous l'aurez compris, on est sur Dragon's Dogma. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est Dragon's Dogma. Mais c'est un RPG avec un fonctionnement assez old school. Et c'est trop cool. Non mais c'est pas mon pion principal qui a dit ça. Eh oh, eh oh. Non mais, alors c'est derrière qu'il faut qu'on aille. Faut qu'on aille vers le 2. Là, là. Sauf que le 2... Comment je... Est-ce que je vais devoir refaire tout le tour? Là, je vois pas traverser là. Comme je suis descendue, je pense qu'il faut que je repasse tout le tour. Oh! Fermé. Viens. I expect this would fetch a fair sum at market. Écoutez, on est arrivé une première fois jusqu'au village sans se poser de questions. Moi, je pense qu'on peut, bien y arriver une deuxième. Hein. Faut croire en ses rêves. It is pleasantly cool here, what with the canopy overhead. Ah tu vois, il a dit comme toi, Seraph. Il fait frais. Et parce que moi j'ai pas joué depuis mardi dernier du coup. Parce que pas eu le temps. Parce que Dragon's Dogma. Mais moi j'aime bien faire toutes les semaines les petites missions sur Skull et puis à chaque fois il se passe des trucs différents. Donc j'apprécie. Et j'y passe un bon moment. Je me demande comment on va retourner au village. Comment on a fait la première fois, à l'aide? J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps, mais on voit rien. Genre, on n'était pas monté plus haut que ça, quand même, si? Non, non, non. Si? Si, si, si? Non. Ça, c'est là où on a eu le coffre. Bam bam, non. Il fait tout noir. Ah oui, là, il fait tout noir.
pas mal finir. Oh pire, Brandon il en peut plus. Hein? Ah bah non, mais ça c'est un endroit où je suis pas allé. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose du coup. Ah, c'est là! All good! J'ai. Merveilleux. Nous revoilà dans le village caché de la forêt de noir. Des fois, un peu, hein, sérieux. Il y a des ambiances qui font penser à Dark Souls. Mon dieu, on va tellement se faire laminer quand on va rejouer Elden Ring. Hein, enfin, qu'on se remette un petit peu en jambe. Hein. Salut. Nous avons retrouvé le chemin. Let's go. Bonjour. Le village sans nom, l'auberge sans nom. Je vais me réveiller, il n'y aura rien. Il n'y aura plus rien, il y aura juste une forêt. Tiens, j'ai de l'argent pour payer, c'est ton propre argent. This is the inn. We've room to spare if you're looking to score. Nothing's free in this world. Oh, c'est pas très cher. Oh, je vais pouvoir ranger mes affaires. Oh. Let's go. Finally. Moi, j'ai beaucoup trop de fortifiants sur moi. Je vais prendre juste celui qui redonne beaucoup. Ici. Vie. Endurance. Comme ça. Alors, est-ce que du coup je reprends des potions Dernier dans mon backlog qui me regarde à chaque fois que tu prononces son nom. Non, mais... Je comprends pas la explosive. On a un peu looté. Hein. Un peu. Protubérance dog. Voilà. Bon, ça, on en a beaucoup trop. J'aurai peut-être pas la même chose dans quelques temps, mais bon. Pour l'instant, on en a trop, en tout cas. Tac, tac. Ça, on en a beaucoup trop aussi. Non. Comme ceci. Cade. Fait louper. Hop, hop, c'est bon. Bon, les combinaisons on fera plus tard. Faire déborder les coffres. Ça va, ça va. Ah ouais, ça va, ça se... Contrairement à ce que ça a l'air, parce que les gens en trouvent, ont dit que c'était pas forcément toujours économique, tout ça. Je trouve que ça se joue bien. Je trouve que ça se joue bien. Je suis en léger là, vous voyez pas, mais hop, on a revité le perso.
This is it. Of course. Nothing's free in this world. Alors, la flèche funeste qui inflige plus de dégâts et peut clouer les petites cibles au mur. Let's go. Pas mal la flèche tourbillon là. Oh, c'est scié ça, regardez. On peut planter la flèche explosive dans le dos du truc. Et jamais de la vie, je vais m'accrocher au dos si je suis en train de... Merci d'avancer. Ok. Je vais prendre la flèche tourbillon, je vais la mettre à la place de la pluie de flèche. Attends. Hop. Et tir humidifiant. Nous, on est parti sur le feu, hein. Ça, je l'ai pas pris parce que ça fait qu'on peut moins bien viser. Rend la visée plus difficile, mais permet de percer la cible avec plus d'impact. Mais pas forcément. Lanterne qui éclaire plus. Est-ce que ce serait pas pratique, ça? Bon, en vrai, à terme, c'est pas quelque chose qu'on va garder, bien sûr. Mais... Faire avancer du coup d'éclair. Tranche C d'améliorer. Aussi protection des Templiers en bénéficiant d'un enchantement. Ok. Oui. On va peut-être pas lui mettre bouc émissaire quand même. Restons raisonnables. Du coup, il est quel level là? Il est rang 5. Bientôt rang 6. Bien, hein. Bien, bien, bien. Tu rates l'impact de César. Mmh. Donner les 13 anciens. Allez, let's go. Alors, augmente légèrement la santé et l'endurance max, ainsi que la charge maximale. Do stop by again. Alors. On a combien en endu et en santé pour voir un petit peu? Donc là, on a 61 et en endu 1074, santé 1246. Ok, j'ai gagné 100 dans chaque catégorie vie et endurance. Et j'ai gagné 5 kg de poids. Donc comme l'anneau qui permet de porter plus de poids, sauf qu'en plus il donne plus 100 en vie, plus 100 en endu. Au top. Franchement au top. En plus l'anneau que j'ai remplacé est un anneau qui me pute s'il en archer. Puisque l'anneau que j'ai mis, c'était celui-là. Faire tomber les ennemis. Après celui-là, je peux le filer à... Do stop by again. À Cade. Ça montre la magie. Ah, hein. Pas très utile d'augmenter la magie pour Cade. Nothing's free in this world. Oh, je vais quand même lui laisser sur lui, je pense. Je sais pas. Je vais probablement quand même rapidement le repasser mal. On pourrait le monter archer rang 4 juste, Cade. Mais je pense pas le monter plus. Je pense à partir en 6 de guerrier, je le mets en 4 d'archer. Et là, je repars sur sorcier. Je peux pas non plus laisser Cade trop longtemps hors de son rôle que j'ai défini à la base.
Dormir. A good sleep will ensure we are prepared for... Now we've the vim to tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. Hop. Au top. Parfait, on va faire une petite pause. Ça me semble bien, ça fait déjà 2 heures. Bah en vrai, du coup ça va faire un épisode entier pour toute cette zone, ça me semble bien. Hein. Si on regarde là, j'aurais fait tout ça. Hop là, c'est un marqueur, je vais... Hop, retirer. Hop, retirer. Plus le griffon. Et on a fait tout le truc, en gros j'ai fait toute la partie là. Bien. C'est bien. Et du coup après on va partir par là. Et faire ce morceau là. Et je pense que quand on aura fait ça, on verra combien de temps où on en est. Peut-être ça sera aussi dans l'épisode suivant. Ça va jusque là-haut, mais on dirait que ça va jusque là-haut. Ah non. On aurait eu l'impression à un moment. Non, ça s'arrête là. Là. Bref. Tu fermes? Non, pas du tout, j'explore. Mon but, c'est de compléter la région. Là, je vais aller voir le chef du village. Et tu vois, là, par exemple, je suis tombée sur un village. J'ai déjà tombé sur le village des elfes, là-haut. J'explore complètement la map, en fait. Ce qui m'a permis d'avoir, par exemple, un super anneau, là, qui est un anneau que j'ai récupéré parce que, en explorant, j'ai récupéré suffisamment d'insignes, des trucs cachés, pour avoir l'anneau. Donc mon objectif c'est juste d'explorer vraiment pleinement les zones avant de continuer à la quête principale. Mais par contre je ferai pas en bas ici je pense. En bas ici j'attends de continuer la quête principale. Sauf si une quête d'ici me dit d'aller en bas ici. En tout cas je fais pas de quête plus avancée que les quêtes de ce village. En gros c'est ça l'idée dans ma tête. Voilà. J'essaie de tout compléter, tu vois, là j'ai fait plein de quêtes ici en vrai. Vers Noir. J'ai fait énormément de quêtes. J'en ai fait pas mal aussi là-haut. Et en fait, je suis revenue là-haut d'ailleurs parce qu'il y avait un personnage qu'il fallait que je revoie. Donc voilà. Il y a du taf. C'est ça. Voilà, il n'y a rien au milieu, je crois. Je suis pas sûre. Ça se trouve, ça se trouve, on peut passer. Mais bon. Il y a une grotte aussi, j'ai pas fini ici dans le nord là. Mais bon. Mais ouais, voilà, l'idée c'est d'explorer quoi. Le gris, ça c'est de l'eau, ouais. Donc, ouais, voilà. C'est vrai que je passe beaucoup d'heures là à explorer en début de jeu, puisqu'on va arriver à la 30aine d'heures de jeu. Mais c'est ce qui me plaît et j'avoue, j'aime bien. On sent que ça correspond en plus au niveau du personnage et tout. Petit à petit, le personnage est devenu un peu plus à l'aise. Là, quand on a fait le griffon, ça s'est bien passé. Je trouve que c'est bien, c'est cohérent. Reprenons nos pérégrinations. Let's go! Le chef. On va voir le chef. Je me demande ce qu'il va nous dire. Ça se trouve, il va nous dire parce que c'est lié à une quête. Et dévoilé sans rien extraterrestre. Ouais, c'est vraiment bizarre, hein. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ouh. Un truc. On va totalement y aller. Allons d'abord dans le manoir. Attends, derrière déjà. Toujours aller derrière. On sait jamais. Est-ce qu'il y a Sephiroth dans la cave? Sephiroth, où es-tu? J'ai vu ça, Rival. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Du coup, faudrait que je vienne en voleur. Of course, you are no exception.
that you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate. Which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? Ça, c'est parce que regardez. C'est grâce à mon skin. You're curious what I know of you? Quite a bit, I should think. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. In response, she's... Oops, I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain neutrality in political matters. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Such is our village code. Is there aught else you'd care to ask? Beg pardon? Why would you ask such a thing? A letter? Oh, you've made quite the discovery. Brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say someone's taken on such a request. Naturally, I can say nothing as to the who or what of the arrangement. I'm sure you understand. Oh, bah, c'est bien, Inspecteur Chef. Is there aught else you'd care to ask? I? Intéressant cette histoire. Donc il y a quelqu'un. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Oh bah cool, vas-y. Once mastered, it will allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Capacité exceptionnelle réservée aux voleurs. Utilisez-la pour apprendre l'âme du bûcher. Votre pion principal en hérite. Ah bah écoutez. Merveilleux. On prendra ça quand on sera voleur. Vous sentez venir le petit tuto? I dare say we could sell this for a fair amount of gold. Whether or not we make the sale is for the arisen to decide. Je vais dire un autre truc. Je sais plus. Il est un peu caché ce village, hein? Merde. Oui, le truc qu'il a dit, qu'il y a quelqu'un qui imite quelqu'un d'autre. Donc, il y a probablement une personne qui n'est pas la bonne personne. Donc, que ce soit, je sais pas, la régente, ou le gars qui m'aide, l'autre, l'usurpateur, il y en a un qui est fake, quoi. En train de me vendre le jeu. Je fonce au dodo en craquer. Bah écoute, repousse-toi bien et ça me fait plaisir ce que tu dis, en vrai. Tant mieux. Laisse-toi tenter. Alors, je pense qu'on a fini cette zone. Ouais. Donc on n'a plus qu'à rentrer. Alors, je pourrais utiliser une transpire. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai encore deux que je peux acheter. Mais dans l'immédiat, j'évite d'en utiliser. On va rentrer à pattes. Je vais craquer, c'est évident. You best go elsewhere. There's no business to be had here. Ah, je pense que lui, il me vendrait si j'étais en voleur. Attendez, on va tester. Let's go. À mon avis, si je suis en voleur, il me dit « Oh, oui, oui, pas de soucis. » Comment ça se passe? Comment ça va? Alors, c'est pas là. Ah, you must be the visitor I've heard so much about.
Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place. Tucked away on the eastern edge of Vermond. Is there aught else I can help you with, sir? As you like, sir. On va lui mettre des coups de pression. This is it. Of course. Nothing's free in this world. Un voleur tout nu. Do stop by again. A flexible vocation. Suited to bolstering our band where... Ah, you must... As you like, sir. Two. Well met, sir. How might I be of service? You best go elsewhere. There's no business to be had here. Il en a rien à foutre. Super. Je vais rechanger, hein. Too much excitement is rarely. This is it. Of course. Nothing's free in this world. C'est bien, ça rééquipe. Genre là, oui, j'ai mes équipements d'archer, hop, ça va les remettre direct. Glad to be of service. J'ai pas besoin d'aller les rechercher. Ah, j'ai regardé si je peux fabriquer les flèches huileuses. This is, of course. Nothing's free in this world. Flèche huileuse. Ah, c'est avec la poire. Oh, bah j'en ai fait 30 en fait, 7 fois 3. Ah, le baume du tigre, voilà, le chat. Il est là. Flèche empoisonnée, c'est pas mal aussi. Oh. Glad to be of service. Il me semble que c'est des arcs différents. Sick, puisque. Non, c'est pas Sick, c'est Ike, excuse-moi. Les arcs de mage archer. En fait, tu peux le voir de façon sur l'arc que tu as. Moi, tu vois là, par exemple, cet arc-là. C'est marqué, tu vois le petit symbole en dessous, l'arc. Il y a l'arc, il y a son poids et il y a des chiffres. Et en dessous, il y a le petit logo. De l'archer. Tu vas avoir, je pense, des arcs qui vont être pour archer et mage archer. Tu vas avoir des arcs qui vont être que pour archer, comme lui. Des arcs qui vont être que pour... si je vais dans les armes. Donc là, on a archer. Et j'en ai déjà un de mage archer. Mais c'est un point d'interrogation parce que j'ai pas encore le mage archer. Et déjà, c'est que mage archer. Mais je pense que tu dois en avoir qui sont compatibles avec les deux. Parce que t'as des équipements qui sont compatibles avec deux classes. Quoique là, j'en trouve pas, mais... Normalement, t'as des équipements qui sont compatibles avec plusieurs classes. Voilà. Pas dans ce que j'ai. Donc, plutôt spécifique à la classe que commun. Entre l'archer et le mage-archer. Ce qui s'explique parce que l'arc du mage-archer est fait de la magie. Donc, il faut qu'il ait une magie élevée. Plutôt que de la force. Mais du coup, tu le vois avec les petites icônes. Bon, on va tranquillement rentrer. Pas par là, du coup, mais on va tranquillement rentrer quand même. C'est rather narrow here. Be on your guard. Let us proceed with due caution. C'était peut-être un peu violent comme descente, mais... Ça va bien se passer. Faut juste pas qu'il y ait une attaque, mais... Cool, l'huile.
Ça passe. Je vais chercher le coffre, mais c'était peut-être un peu violent. Ouais, du coup, je pense que je vais faire un cut d'épisode. Ah, mais oui, on est là. Okay. Un cut d'épisode quand on sera rentré à la capitale. Et here we go again. To arms. By your leave. Et ensuite, on va explorer l'autre côté. Ça, on a tout notre plan de façon de ce qu'on va faire. Let us return once we've grown tired from our labors. C'est ce que j'aime bien aussi dans le jeu. En vrai, quand t'arrives, la carte, elle est immense. Il y a énormément de choses et tout. Et en vrai, si tu t'organises un peu, ça s'explore bien, quoi. Ça s'explore plutôt bien. You've been doused in oil. You must stay clear of fire. I grant your weapon a magical boon. Alors, est-ce que je vais au bon endroit là, parce que... Ouais, globalement ça passe par ici normalement. Je dois pouvoir descendre. J'ai un doute. On avait essayé, ça avait pas marché de descendre. Bon, au pire on fera le vrai chemin. On tourne à droite au 1. Ça passe. Eh ben, c'était intéressant, non ? Griffon et village... Qu'est-ce que tu fais avec ton caillou ? Et village caché. Qui nous a donné une info intéressante ? L'air de rien. Oh, c'est beau là d'ici, hein, la tour là-bas. Là. Waouh. C'est trop beau. Je fais comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais, ça fait grande cité, ouais. De fou. C'était quoi, V? Ah oui, c'est la flèche tourbillon. Ouais, c'est stylé, ça. Un peu long à tirer la flèche tourbillon, mais pas mal. Well and true. Yeah, we mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Ah, ça touche pas. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Dommage. En fait, comme il descend, il touche pas. De toute façon, c'était pas des méchants. Mais je crois que c'est des méchants. En fait, c'est parce que mes coéquipiers, comme il y a un mage dans les coéquipiers, il enflamme mon arc. Des fois, il le gèle d'ailleurs. J'ai l'impression de comprendre l'Elvish, Master. J'espère que tu trouveras mes talents utiles. Profitable endeavor. Ouais, c'est bien le même endroit. Et oui, là on peut pas passer en fait, ok. C'est bien ça.
Ouais, c'est assez longtemps, Phoenix. Il faut que tu... C'est plus longtemps. T'as pas moyen? Moi, quand j'arrive pas à dormir, je me mets à... Au lieu de me mettre dans le lit, je me mets dans le canapé. Je sais pas si c'est quelque chose... Et genre, tu vois, tu peux mettre un... Tu mets un truc qui te demande pas beaucoup de réflexion. Sur ta télé ou sur ton portable ou quoi. To victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Now that is a surprise. Comme ça, t'es un peu moins dans la situation où ah, j'arrive pas à dormir, je suis dans mon lit. Et tu vas peut-être t'endormir un petit peu. Petit à petit. Ah. 10 heures de dessin, hop. N'est-ce pas? J'avoue, j'ai dormi très vite ce matin. J'ai pas eu de problème. Voilà, je suis à côté. Je les rate. Ah. C'est bon. Je l'ai. Pas pratique cette attaque. Ça surprend même si c'est ton coéquipier. Well met. Looking to make a purchase? Much obliged, sir. Après là, t'as un peu déréglé, donc ça va peut-être venir, quoi. Malheureusement. Malheureusement. Donc même la session d'hier de Farm de Destiny t'as pas endormi, donc là on peut plus rien. Je vois pas ce que je peux faire de plus hein. We've got goblins. You're soaked. Do try not to catch cold. Il m'a manqué l'archer quand j'aurais pu l'archer. Ah, du coup, quand il va passer en 6, on va pouvoir le switch. Oui. Faudrait qu'on bute un autre truc encore pour qu'il passe en 6. Un ennemi quelque part. Hein. C'est temps, je l'aime bien le guerrier. Hein. Mais... J'aime bien le guerrier. Je vais laisser en guerrier pour l'instant parce que de toute façon, je vais pas changer de bonhomme pour l'instant. Donc si je le switch de guerrier, j'aurais pu ce qu'il nous faut. Ça va bien, Terreur, et toi? Comment on va? Est-ce que tu joues à Dragon's Dogma? Si tu peux, sur PC, si t'as une config PC correcte. Bon, comme toujours, quoi. Hein. C'est quand même toujours plus beau sur PC. Si t'as la config qui suit. 80. Eh ben... Pas beaucoup dormi. On peut en attendre comme ça. Je sais même plus où ma maison est là-bas. N'oublions pas de lui donner sa corde. Well, I'll be.
Might as well take a look. What? Toujours pas les moins 10%. Hein. Terrible, prononce celle-ci. Well, you're here, eh? Stop by again soon. Our packs are heavier, and our purses far lighter. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. Je sais plus où est ma maison. Ça fait trop longtemps qu'on est parti. Oh mince, elle est de l'autre côté. Elle est là, ma maison. Non mais... Je reviens. Comment ça va, Flora? Ah, c'est Evelyne. Elle s'appelle pas Flora. T'as une sœur, hein. Sache-le, Evelyne. Elle s'appelle Flora. Enfin, je refasse un tour dans l'autre quartier aussi. D'ailleurs. On va faire un petit tour avant de retourner. Des fois qu'il y a eu des évolutions. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Chose à dire. Un de plus. Thank you kindly. Sure. I haven't seen my husband in some time. You wouldn't happen to know. Ton husband. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. C'était la deuxième femme du mendiant. I really would have been better off a baker. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Okay. Tac. On a déjà des trucs en plus. Ça se remplit à une vitesse. Du coup, je vais ranger l'opus de légende pour l'instant. Je pense que j'en ferai un petit tuto. Je pense. Ok. Un petit repos. Bien mérité. We must rest. Et donc, nos prochaines étapes. Oh, je peux le laisser là, hein, en fait. Tac. Donc, nous, on va se rendre ici. On va même se rendre direct à cette caverne, hein, je pense que c'est intéressant. Là. Et là. Grosso modo. Ça, c'est nos prochaines étapes de clean ça. Et ensuite, on cleanera le 5. Qui m'a l'air d'être... Je pense que ici ça s'arrête. Les marais, on les avait quand même pas mal explorés. Hein. L'air de rien. À tourner en rond. Du coup, ce sera la fin de cet épisode, en tout cas. Avec notre premier griffon.